Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et Diamant. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 11 avril. On va faire un petit peu de DP ensemble. On va faire la dame, la jeune fille aux pelotes de laine. Vous voyez, il me reste ce carré là et ça. Et après, c'est terminé. Il vient du vendeur Manuel Gelstore. C'est une 70 par 70 en diamant carré. Toujours très agréable à faire. Par contre, j'ai eu quand même pas mal de diamants troués, abîmés. Dans les tons verts, j'ai eu quand même quelques couleurs où j'ai eu quelques soucis. J'en ai jeté quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle m'en a renvoyé sans souci. J'avais fait une autre commande et ils m'ont mis dans la commande. Mais bon, il y a quand même pas mal de diamants trouvés, tachés. J'espère le finir aujourd'hui. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end. Chez nous, il pleut un petit peu. Alors, c'est dimanche TP. J'en profite. Je regardais si vous voyez bien que j'avais bien installé la caméra. J'ai changé l'angle de vue quand on est sur mon bureau. Je me suis fait un petit coin tranquille à moi. Comme ça, ben, j'ai plus besoin, parce qu'à chaque fois que je faisais du DP, je mettais sur ma table de salle à manger. Et à chaque fois, j'étais obligée d'enlever la toile, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. Et ça m'agaçait. Donc je me suis trouvé un petit bureau. Je le mets dans mon petit coin de salle à manger. Et voilà, comme ça, j'embête personne. J'ai hâte de le terminer. Comme hier, je vous ai fait un unboxing de chez Home Fun. J'ai un DP mystère, j'aimerais bien commencer. Et hâte de voir l'image apparaître petit à petit. Je voudrais remercier aussi tous les nouveaux abonnés. J'ai quand même pas mal d'abonnés qui se sont inscrits là dans quelques temps. Ça fait plaisir. Ça veut dire que mes vidéos quand même ils plaisent, je suis contente. Je pensais pas un jour avoir autant d'abonnés. Moi je partage ce que j'aime faire. C'est vrai là que je suis dans les derniers deux carrés. C'est que du vert. Un dégradé de vert. J'en ai au moins une quinzaine de dégradés de vert. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'attends quelques petits accessoires que j'ai commandés. Normalement, ils devraient arriver demain ou mardi. J'ai hâte de les recevoir. Surtout un, voir vraiment si ça marche. Je serais curieuse de voir ça. J'ai commandé aussi une petite chose qu'on commence à voir un peu sur YouTube. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai hâte de le recevoir et de vous le montrer. Je vais refaire aussi une petite vidéo du tableau mandala. Vous vous rappelez qu'on avait commencé ensemble. J'en ai fait un petit peu toute seule aussi. Un petit peu beaucoup même. Je pense que demain, je vous retournerai une petite vidéo de l'avancement. Ça me plaît beaucoup. Ça change.
cette couleur, ça va, elles sont bien taillées. C'est un vert clair, c'est du 38-13. Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être que si je mets comme ça. Ceux-là, j'ai pas eu de soucis. C'est avec le coloris 38-17. Et principalement un autre vert, alors je sais plus si c'est le 501 ou 561, je me rappelle plus, l'un ou l'autre, c'est un vert aussi également. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est vraiment que du vert, que du vert, que du vert. Regarde un peu, c'est des fois, je vois pas que ça pop. Celui-là, il est parti. Ah, c'est pas le bon verre. Est-ce que j'en ai envie de quelque part? Oui, là. Voilà, il est là. Il s'est sauvé. J'espère que je parle quand même assez fort. Ce qui n'est pas de raison. Que mon mari a regardé une vidéo la dernière fois et il m'a dit « T'as une voix bizarre quand tu fais tes vidéos, t'as une voix toute bizarre. » J'ai dit « Ah bon ?» J'ai dit « Bah non. » Il dit qu'on dirait que t'es toute mollassonne. J'ai dit « Ah bon ?» C'est non. Dites-moi en commentaire. Alors, on va changer de couleur. On va prendre le YC. Le 959. Quelque chose, mais c'est une petite bûche. Voilà, c'est vrai qu'on est contente de commencer un DP, mais on est contente aussi quand on arrive à la fin, surtout quand c'est des grandes toiles. Moi je fais principalement des grandes toiles. Je vais vous tourner aussi une vidéo sur mon demain de mon stock et mes toiles en cours et mes toiles que j'ai terminées. Je pense que je ferai deux vidéos distinctes, pardon. Je pense que je les ferai demain. Vous avez vu là celle-là? J'aime pas parce que ça fait, je sais pas si vous allez voir la caméra. Ça fait un point dessus. Et moi, j'aime pas. Alors, je les enlève. Faire plus d'un an et demi que je fais du diamond painting, et c'est vrai que j'aime avoir des diamants bien taillés. Pour faire un joli rendu, je voulais m'excuser aussi pour la vidéo que j'ai fait hier en unboxing. Il y a un passage où j'ai fait tomber mon téléphone, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il faudrait que j'essaye de faire des montages
J'ai pas essayé, j'ai pas regardé, je suis pas très très douée en informatique. J'aimerais bien faire une jolie présentation avec de la musique et des belles images, quoi. Je regarde ça. J'ai regardé les vidéos de Hélène et le diamant de painting, si vous voulez la retrouver sur YouTube. Et elle fait des super vidéos très intéressantes. Et elle va se mettre à la résine. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle et m'interroge beaucoup. J'ai regardé un petit peu sur internet tout ça. C'est vrai que ça a l'air très intéressant de faire des objets en résine. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous présenter dans ses prochaines vidéos. Je n'ai plus de petit Y. Non. On va faire les L. Je vois qu'il y a des L là-bas. Les L, c'est du 503. 503. 503. Vous avez vu ce que je vous disais? Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer d'éteindre ma lumière. Il y a des trous. Pas si vous allez voir. Pas faire le focus. J'ai des trous en fait dans mes tiroirs. Voilà, c'est cette couleur tout à l'heure que je cherchais, c'est 503. Dommage, je ne peux pas vous faire voir, on n'arrive pas à bien la voir. En plus, la lumière, là, vous voyez, j'en pose. Voilà, il faut que j'essaye d'allumer. Et si j'éteins? Alors, peut-être que là, vous allez voir. Désolée. Mais bon, ceux qui font du diamond painting savent de quoi je parle. J'attends aussi deux toiles. J'ai commandé chez Momo Art. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Je voulais essayer ce vendeur. J'ai jamais essayé. Bon, on verra bien. Encore un trou. Encore un trou. Faudrait que je vous retourne aussi une vidéo de la dame verte. Pareil, de chez Manu Rachel Store. C'est une 60 par 90, il me semble, en diamant carré. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas reprise, que je voulais terminer celle-ci. Donc, j'ai mis un petit coup de speed. Et après, je vais peut-être faire entre deux. J'avais commencé aussi une gorgeous. Il faudrait que je la termine. C'est une gorgeous que j'avais eue en swap par
Karine, ma passion d'épée, sur YouTube. J'avais fait un swap l'année dernière. J'aimerais bien la terminer. Faudrait que je fasse une petite vidéo aussi pour la faire voir. J'adore. C'est vrai que j'ai eu un engouement il y a quelques temps quand il y a eu les gorgeous. J'ai pas mal de gorgeous en 30 par 40 et faudrait que je m'y mette à en faire. Ma fille en a déjà fait deux. Deux, trois. Deux, je crois. Façon, je posterai une photo quand la toile sera terminée, pardon, sur les groupes Diamond Painting, Évasion et Création, et d'autres groupes, les étincelles, je crois, et l'autre groupe, c'est Diamond Painting, tout simple, il me semble. J'espère que vous voyez bien les... où je pose. Oui. Comme je fais, je monte, je descends, je monte, je descends. Maintenant, je travaille comme ça, carré par carré. Je trouve que c'est plus simple. Ça m'évite de m'éparpiller et de... Je trouve que c'est mieux. Puis ça me donne un objectif. J'y tiens, je commence un carré, je vais le faire... Je vais essayer de le finir avant de faire autre chose, quoi. Et c'est bien aussi qu'on fait des défis, des fils rouges, des choses comme ça. Carré par carré, c'est bien, ça nous donne un objectif. Dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais en faire deux. Demain, si j'en fais pas, c'est pas grave. J'ai vu que dans la chaîne aussi Angélique DP, et ben elle veut faire un fil rouge à partir de juin, il me semble. Non, juillet. Pour juillet. Non, mai-juin, pardon. Sur le thème girly. Donc je me dis que je ferais bien une toile en 2 mois de temps. Comme ça, c'est bien. Ça fait. On fait 40 cases, on divise la toile, et puis ça nous permet d'éliminer aussi un peu de stock. Comme j'ai une toile assez grande, je pense que je vais faire ça. Et après cet été, elle veut faire un défi sur toile paysage. Comme j'ai une toile paysage de chez Evermoment que j'ai depuis un an, ça permettrait de la faire. Ce sera bien aussi. Je vous dis, hein, l'année dernière, pendant le premier confinement, j'ai acheté pas mal de toiles et j'ai un stock. Et vous avez vu, ça ne m'empêche pas de me racheter encore. Quand il y a les promotions là. Ah, j'ai un petit H qui traîne là. Donc il y a eu les promotions au mois de fin mars là. C'est vrai que voilà, je suis très toujours tentée. Faut pas que j'aille sur AliExpress, c'est pas bien, faut pas y aller. Mais bon, dans un mois à peine, c'est mon anniversaire. Alors je crois que je vais encore craquer. Je vous en ai déjà parlé. J'ai très envie de faire une toile de ma chienne,
J'ai déjà la photo et tout, je crois que j'ai juste maintenant je sais pas chez quel vendeur, si je le fais chez Evermoment ou si je le fais chez Emmanuel Rachel Store. J'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Je vois plus de L. C'est quelle photo, mais maintenant il faut que je choisisse le vendeur. J'ai très envie. J'aimerais bien aussi faire une photo personnalisée de mes enfants. J'avais déjà fait une photo au tout début que je faisais du diamond painting. On a changé de couleur là partout. C'est du fer, c'est le M, le 3816. Je suis pas canne, mais je suis très déçue des couleurs du visage. Alors, je sais pas, j'ai déjà bien contaminé. J'ai commencé l'année dernière. Et quand je suis arrivée au visage, je sais pas, ça me. J'arrive pas à la reprendre parce que l'image me dérange. C'est une très belle photo, mais je sais pas. L'image me dérange. Alors, je sais pas. Réfléchir parce que j'ai vu dans les posts de Estelle la chaîne YouTube pardon je peux pas j'ai diamond painting elle a fait un portrait de cœur de pirate de son album et je crois qu'elle est déçue des couleurs du visage si je dis pas de bêtises. Je me suis arrêtée de parler, il y a ma fille qui me regarde. Donc, je sais pas. Je réfléchis aussi. Bon, là, il n'y a plus de M non plus. Je pense que faire des photos, des images personnalisées en photo de portrait, ça doit être compliqué, je pense, avec les couleurs. Du visage, quand il y a les reflets, les ombres et tout ça, je pense que ça n'est pas facile. C'est pour ça que je me dis au moins faire mon chien, il est tout noir, avec un peu de blanc. J'ai mis une photo sur le groupe. Donc, je réfléchis, mais je voudrais pas me décider dans trop longtemps, parce que comme mon anniversaire, c'est le 8 mai. Je voudrais l'avoir avant. On a bien avancé. On est déjà 23 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit blabla, un petit vlog, voilà, de routine. Je vous raconte un peu ma vie. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce. Et je vais vous dire à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Au revoir.